Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Donc, dans notre rendez-vous hebdomadaire, c'est hebdomadaire, la semaine c'est hebdomadaire, notre souper de ce soir, pâte à la saucisse italienne. On fait ça dans l'intelli-multicuiseur. Donc, tout dans un, on va tout faire cuire pour notre souper. Et d'ailleurs, pour ceux qui étaient avec nous autres la semaine passée, les pâtes au brocoli et poulet, c'était excellent. Ça, c'est à refaire. Pour vrai, hein? Je t'ai dit que ça ressemblait Ouh! à quoi? À des Stouffer's, c'est tout Ouais, ça? un peu, ouais, effectivement, une base un peu stuffer. Ah, bonjour, la personne qui s'est jointe à nous. C'est Guillaume! Bonjour, Guillaume. Ta-ta-ta-ta. Donc, ça, dans l'intelli-multicuiseur, on va faire ça dans plusieurs étages. Et la recette est assez facile. On commence dans le bon, dans le bas. Dans le bon? Dans le bon. Dans le bon, 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 bon. Donc, comme pâte, Eve a choisi des coquilles. Bon, j'ai choisi quelque chose qui allait. Donc, pour un. Je vais vous donner la recette en même temps, là, avant de commencer. Donc, ça vous prend l'intelli-multicuiseur. Ça va vous prendre le système Excel Chef. Et. Après ça, c'est simplement des petits accessoires à côté. Donc, les deux plus principaux sont là. Comme ingrédients, 2 tasses de pâte, 1,5 tasse d'eau. On a 2 livres de saucisse italienne ou la saucisse que vous préférez, coupée en rondelles. Un oignon jaune moyen. 3 tasses de brocoli ou rapini, dépendant de ce que vous préférez. Nous, il nous restait des brocolis qu'on avait mis dans nos intellis frais. Donc, ils sont encore très bons. 2 gousses d'ail, 1 tasse compacte de. La recette disait du basilic. On n'en a pas trouvé. C'était cher dans cette saison-ci. On va le faire avec du persil. Sel, poivre, oregano. Bon, il n'y a pas d'oregano, mais sel, poivre, oui. Et 1 demi-tasse de parmesan. Ça, c'est si vous voulez. Et c'est à la fin seulement. Il est où ton parmesan? C'est après l'action. Ah, oh, de OK. parmesan. Donc, j'ai recouvert le fond de mon intelli-multicuiseur de pâte. C'est à peu près 2 tasses. C'est ça. Grosso modo, c'est 2 tasses, c'est ce que je disais justement, de pâte. Donc, on tombe vraiment pour que, une fois que je vais mettre le bol à étuver, ben, il ne touche pas tout à fait aux pâtes. Donc, mes pâtes sont là, directement en dessous. Et je vais mettre tout de suite mon eau. Donc, 1,5 tasse d'eau. Mais c'est à peu près, là, ça dépendait des pâtes. Ouais. Je vais juste regarder. Bon. Ça coordonne pas bien. Ça coordonne très, très bien. Donc, je vais mettre mon bol à étuver par-dessus. Je mets pas mon bol à étuver par-dessus. T'as pas mis de sel? Ah, le sel, oui, tout de suite. Oui. T'as raison. Avant de mettre une cuillère à thé. Une cuillère à thé? Oui. Mais là, calme ta joie, là. Une cuillère à thé de sel. Oui. Oh! Allô, Sylvie! On manquait d'amis, merci! Merci, mon ami! Allô, Zach! Hello, Zach! Hello, t'es ami pas mignon! Okay. Donc, Et on est... Zach. Les pâtes, l'eau, le sel. Je mets mon bol à étuver. Allô, Cindy! Bonjour, Cindy! Je vais mettre ça de côté parce que la prochaine étape, c'est de couper les saucisses en rondelles. Dans ce cas-ci, j'ai trouvé, je pensais prendre des italiennes douces, mais tout ce que j'ai trouvé, c'est une douce et une forte. Donc, ça va faire un plat moyen. Et pour mélanger saucisses, je vais prendre une de chaque à la fois, puis les mettre une à côté de l'autre, comme ça, on va pouvoir. Ils vont être mélangés exactement quand que je vais les. Je sais pas pourquoi tu m'as redonné ça pour. Allô Christine! Allô, Oh, vous êtes bien d'être venue avec nous ce soir! Oui. Ben Sylvie a comme pas le choix, Sylvie va là, de toute façon, ça fait autre chose à se mettre la marboulette. Bon. Ça, c'est environ la. Pas, j'ai pas abonné mes pantoufles. Non. Donc, autrement. Pour en bas, ça c'est environ la grosseur
des saucisses. Parce qu'ils vont réduire, et pour en haut, ça c'est la grosseur des saucisses en rondelles, parce qu'ils vont rapetisser aussi pendant la cuisson. On essaie de faire ça le plus uniforme possible. Et pourquoi? J'entends pas dans le fond de la classe. Ah, c'est à moi que tu parles? Pour uniformiser la cuisson. Oui! Il n'y a pas personne d'autre qui répond. Oui, j'avoue, hein, mais tu aurais pu laisser un délai de réponse. Ça me prenait une élève studieuse pour répondre. Non, non, mais je pensais que tu parlais pour avoir une réponse sur le chat. Oui. Effectivement, le temps que je finisse de couper les sassesses. Non, non. Tom, tom, tom. Donc, on a 2 livres de saucisses que je vais continuer de couper en rondelles. Vous, vous mangez quoi pour souper? Ou vous avez mangé quoi pour souper? Parce que nous, on mange tard, finalement. Bon, tu as décidé d'envoyer une saucisse à la table. Non, elle s'est suicidée sur la table. Ben, voyons donc. Elle était au bord du gouffre et elle a sauté tout seule. Elle a dit, je veux en finir. Ah! Ah, Sylvie Valade, elle avait dit pour avoir une cuisson uniforme. Ah! Elle cuisine beaucoup aussi, Sylvie. Ouais, mais. De mémoire, une fois par semaine. T'es pas très cuisson uniforme, je veux juste te le dire de même. Là. Tes morceaux sont pas égales. Ils sont quand même assez égales, là. Ah ouais, mets-nous ça là-dedans. Il y en a qui sont collés, c'est pour ça qu'ils ont l'air plus gros. Ben oui, mon petit homme. Oh, t'as fini! C'est tellement une recette simple. En fait, ce qui est le plus long, c'est couper la saucisse, finalement. Ouais, effectivement. Et après ça, le truc le plus long, c'est la cuisson. Ouais, mais pendant la cuisson, tu peux faire plein d'autres choses. Ouais, effectivement. Comme dépecer du poulet. Dépecer du cuit? Non, mais découper, là. Ah! Ça, tu vas-tu donner l'idée... À nos membres? Ben non, elle était capable de le faire. On a acheté... Ce que je veux dire, c'est que tu le tournes en vidéo, tu veux juste le dire? Oh, je sais pas. On a acheté des cuisses de poulet en spécial chez IGA à 95 cents la livre. Mais je ne tripe pas tant cuisses complètes. Alors, on va les préparer en pilon et en haut de cuisse, puis on va les congeler. Et une qui peut comprendre ça et comment le faire très bien, c'est... Et c'est Vivalade. C'est ça. C'est, on dirait que tu joues à... Tu trouves la réponse à ce soir-là. Mais oui. Mais en tout cas, ils n'ont pas l'air à souper. Parce qu'il n'y a pas personne qui m'a dit qu'est-ce qu'ils mangeaient pour souper. C'est bon. Avec les cuisses qu'elle avait faites, on va séparer ça en pilon et en haute cuisse. Trouvez-moi, vous autres, la dernière fois que vous avez vu des Ah ouais? Hein? À ce prix-là? Dis-moi ça. Non, la dernière fois que vous avez vu des hautes cuisses de poulet ou des pilons de poulet à 95 sous la livre, ça doit faire un méchant bout. Parce que la moyenne, c'est en, quand vous les pognez en spécial habituellement, c'est à 3,99 la livre. Oui, ils n'ont pas de peau. Mais là, on parle de poitrine, là. C'est différent. Là. Non, non, non. Les hautes cuisses, sans peau, quand elles sont en spécial, sont à 3,99. Ah, Sylvie, il mange du macaroni chinois. Sylvie! Allô, Gérald? C'est quand la dernière fois qu'on a vu des hautes cuisses en spécial? Donc, chirurgie terminée. Mmh. Ah, merci. On déballasse. La scène de clim. Donc, dedans, j'ai mon 2 livres de saucisses. Ensuite, j'ai un oignon jaune et je vais hacher en même temps 2 gousses d'ail. On va hacher ça finement parce que ça va aller dans le bol à étuver avec
Pardon? La saucisse. Mais là, fais juste dire que l'ail, elle n'allait pas à cette étape-là. Ouais. On va partager la recette, fait qu'ils ne comprendront pas. Ouais, on met l'ail présentement, parce que selon la recette, il fallait hacher l'ail avec le basilic et le rajouter à la fin. Moi, Pierre, de l'ail cru à la fin, on n'était pas sûr, je préfère le faire cuire en même temps que l'oignon. Il me semble que ça va être moins rough sur l'estomac finalement que cru. Putain, j'ai pas mis tant d'oignons que ça, là. Non, non. Ah, c'est beau ça. Ça, c'est beau, beau, beau. Ah, Sylvie a dit que les poitrines de poulet désossées cette semaine à partir de 10$. Yves! Ah, le paquet, oui, déjà pesé. Oignon et ail. Checkez-moi ça. L'extra chef, là, c'est un de mes outils préférés. Ouais. Il va manger à voler. Donc, on va récupérer ça. On va récupérer l'intellé multicuiseur. L'intellé multicuiseur. Donc, on éparpille ça. Un peu sa saucisse partout. Oh, j'ai une vapeur d'oignon. Mais mon Dieu! Donc, dedans, on a nos deux tasses d'eau. Je sais pas qu'est-ce que tu fais. Je voulais l'enlever du champ. On a notre tasse et demi d'eau, nos deux tasses de pâte, j'ai mis nos deux livres de saucisses italiennes coupées en rondelles et un oignon jaune avec deux gousailles qu'on a hachées finement, mis par-dessus les saucisses. Ensuite, on met dans la passoire de l'intellé multicuiseur trois tasses de brocoli que j'avais déjà coupé. Ouais, il y en avait un petit peu plus que trois tasses, mais il restait ça, puis je voulais pas le perdre. Ah, bon. Fait qu'il croise les un peu. Le couvert. C'est correct, c'est pas grave si ça ferme pas, là, quand t'as joué. Quelqu'un peut-être? Détail rap? Non. Et on va mettre ça à cuire pendant 15 minutes à plein potentiel, donc à 100%, pas de 80% 60%, on met ça 15 minutes à 100%. Ça va laisser reposer 5 minutes, toujours vérifier pareil que l'action pour vous est correcte après 15 minutes, ça dépend toujours de plusieurs facteurs comme vous le savez. On laisse reposer 5 minutes sans ouvrir pour laisser le temps à la chaleur de continuer de cuire. Et ensuite on rajoute, d'autres on a mis du par-ci, par-ci, par-là, qu'on va mélanger. On saupoudre chaque plat de parmesan et déguster. On met ça 15 minutes. Mais voyons, c'est pas si haut que ça, là. Non! Envoie là-bas! Ose là-bas! Ah oui! Pourquoi tu la chicanes? Ça va demander le tapis. Bon! Fait que nous autres, on se fait un souper. Elle a mangé le tapis, c'est super le fun. On a toujours en cours le tirage de l'ensemble. Comment ça s'appelle? Vive l'hiver! Vive l'hiver! Avec le froid qui fait cet encite, c'est parfait. Ah oh oui, on arrête ça, on le met. Donc, après, ça a pris une vingtaine de minutes à peu près de cuisson. J'ai tout mélangé et
Voilà. Eh bien, goûter, ça a l'air, c'est super bon. Sauf que là, avec les vapeurs, je dis tu pourrais être dans le nez, excusez. Donc, petit souper facile, en une seule étape. Bon appétit. Hello.